What's up YouTube, Emery Carter pour vous servir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a déjà quelques mois je vous avais posé un petit sondage dans ma story Instagram entre deux paires de chaussures justement que je voulais m'acheter. J'hésitais un peu entre les deux coloris. C'était une Jordan, une basse. Là vous allez voir l'image qui s'affiche du sondage. Du coup j'ai passé ma commande sur le site StockX. Donc c'est la première fois que j'utilisais ce site là pour acheter une paire. J'en avais déjà pas mal entendu parler par le passé. Donc maintenant, place à l'unboxing. Bam! Cette boîte est arrivée chez moi il y a déjà quelques jours. Et ouais, j'ai attendu de l'ouvrir pour vous faire ce petit unboxing de qualité. De qualité, de qualité. On va essayer de ne pas se couper. Voilà. Ouh. On va sortir ça. Ok. Le logo Jordan. Jumpman. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça nous montre bien que ça a été validé par StockX. Du coup, pour ceux qui connaissent pas StockX, en fait, c'est une plateforme de resell. En gros, les gens achètent la paire et après, ils la revendent à des particuliers. Mais pour attester que les paires sont bien officielles, en fait, StockX vérifie l'authenticité de la paire et ensuite va nous l'envoyer à nous, consommateurs. Ben, moi, par exemple, qui ai acheté, j'ai reçu la paire que quelqu'un avait acheté au préalable. Un petit sticker StockX, okay, c'est pas mal. Ouf, vous voyez pas encore la paire là, je pense, sur la vidéo. Mais voilà, je vous la montre. La Jordan 1 Low, c'est la première Jordan 1 que j'achète. La couleur c'est Sail Gold University, quelque chose comme ça. Donc ouais, plutôt satisfait de cette paire. Elle est vraiment belle. Et puis là vous pouvez voir le petit logo StockX, comme quoi ça a bien été vérifié, comme quoi c'est bien sûr que c'est une vraie, c'est pas du fake. Donc voilà, ah ok, il y a une deuxième paire de lacets avec une paire rouge, hein, ça peut faire pas mal. Donc voilà, je vous montre bien la paire. En ce moment, la Jordan 1, c'est une paire qui revient vraiment à la mode. Enfin, la Jordan 1 a toujours été à la mode, mais la Jordan 1 en low, on en voit pas mal en ce moment, genre... Tous des magasins comme Courir et Foot Locker, ils en proposent pas mal en ce moment. J'en ai vu une qu'on voit un peu partout en ce moment. C'est celle qui est rouge, à la couleur de la Black Toe, je crois. Et j'en avais vu une aussi pareil en gris, en vert, qui rendait plutôt pas mal. Celle-là, en fait, je voulais l'acheter à l'époque sur le site de Nike, mais je me suis pris trop tard et il y a eu rupture de stock. Donc ouais, du coup, j'ai pris cette paire-là. Qui est vraiment pas mal. Bah écoutez, on va aller rocker ça, on va aller tenter de faire un petit truc sympa pour vous montrer à quoi ressemble la paire une fois portée. C'est parti. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur les sneakers. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et aussi me rejoindre sur Twitch parce que je me mets à liver dès ce soir. Donc n'hésitez surtout pas à venir voir ce que je fais en live. C'est tout pour moi. La bise.